Zéconique, bonsoir, c'est parti pour une autre émission. Bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je suis là avec Mathilde Bonne, Chocolat, Vicente, Tania. On a Ray qui représente l'entreprise Iwana Sierra, c'est ça? Je sais oui, pas c'est bien ça. Mais avant tout, Chocolat, comment vas-tu? T'as passé de bonnes fêtes? Oui, c'est au calme. Tu as fait quoi pour le 31? C'est compliqué. Non, au calme, au calme, au calme. Au calme. Et toi, Vicente? Moi, ça va. Mais tout d'abord, bonne année aux téléspectateurs. Bonne année à vous. Bonne année sur le plateau. Et en espérant qu'on passera une très belle année ensemble. Voilà. On croise les doigts. Tanounou, le 31, les fêtes. Après tant d'années. J'étais à Redoute Paradise. Un petit coucou, c'était vraiment bien. Bah, un Redoute, oui, effectivement, c'était ça. Et j'ai passé un super 31, donc là-bas. Et puis voilà. Et puis on souhaite aux téléspectateurs une très très bonne année 2020. Beaucoup de réussite. 2021, beaucoup de réussite, beaucoup de santé, parce que c'est le plus important. Et puis le reste viendra où on l'achètera, simplement. Et puis tu as une annonce à faire passer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie-Jo. Marie-Jo, qui est la maman de Tania. Qui nous regarde souvent le mercredi. Marie-Jean, tous les cas, joyeux anniversaire. J'espère que tu vas fêter encore plein d'autres anniversaires. Tout à fait. T'as nous un petit message pour ta maman, son anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis très, très fière d'être ta fille. Et puis voilà. Et on est là avec Riri. Bonsoir. Comment vas-tu, Riri? Bonsoir. Comment ça se passe, les fêtes? Tranquillement. Comment ça s'est passé, les fêtes? Ça s'est passé tranquillement. OK. Pour la nouvelle année, les résolutions? Alors, moi, tout d'abord, je veux souhaiter à tout le monde 2021 raison d'être heureux. Et donc, déjà, ce serait l'essentiel. Ah, c'est pas mal, ça. Hein. Voilà. Je retiens, je vais noter ça parce que... Alors, Ray, parle-nous de ce projet-là, Iwana Sierra. Donc, je sais dire, c'est dur à prononcer. Je t'écoute. Alors, Iwana Sierra, donc, on a été créé en 2018. Donc, on a à peu près deux ans et demi. Donc, c'est parti de l'idée où on se dit que les gens ont besoin de se ressourcer, de, en fait, prendre un peu de temps pour eux. Donc, on a mis en place des balades en semaine, donc en matinée ou en après-midi. Donc, la matinée, c'est une balade détente avec brunch et massage en option. Et puis, en après-midi, c'est balade, goûter. Pareil, ce sont des balades détentes ou méditatives. Donc, balade goûter avec massage inclus. Donc, voilà. Et d'où t'es venue l'idée de lancer ce concept-là de randonnée, d'excursion sensorielle? Alors moi, j'ai remarqué qu'en Martinique, nous les Martiniquais, on se contente souvent de rester près de la plage. On ne va jamais dans l'arrière-plage, alors que là, il y a de belles choses à voir, il y a de belles découvertes à faire. Et c'est aussi un lieu où on peut vraiment se détendre, se ressourcer quand on a eu une semaine difficile, quand on a un moment difficile dans la vie. Donc, c'est des moments qu'on peut passer à ces endroits-là, en forêt. Il faut savoir que la forêt, c'est un milieu qui nous ressource, mais qui nous soigne aussi, en nous apportant toutes ces essences pour diminuer le stress et autres. Alors, ça peut jouer aussi avec les couleurs, avec les odeurs. Donc, la forêt nous soigne, elle nous fait du bien. Donc, lors des randonnées, découvertes, est-ce que vous faites, je ne sais pas moi, vous expliquer quel est tel type de plante, est-ce que ça soigne, qu'est-ce que ça fait, médicinal? Alors, ça arrive, oui, mais on n'est pas beaucoup dans le blabla, en fait. On est surtout, dans la marche silencieuse où les gens, parfois, ils vont se livrer. Certains souvenirs vont être évoqués au passage d'un endroit, d'une plante ou de... je ne sais pas, ça peut être aussi une odeur. C'est vraiment quelque chose où on va vraiment se retrouver soi-même. Donc, voilà. Mais... Pardon, il y a aussi des fois des explications sur certaines plantes. Voilà, et arbres. Chocolat. Alors, quand vous dites les gens, en fait, j'aurais aimé savoir la tranche d'âge des personnes qui vous contactent pour passer des moments aussi agréables. Jusqu'à présent, j'ai eu des jeunes. J'ai eu beaucoup de jeunes personnes revenant de métropole et voulant se réapproprier leur île, mais par le côté naturel. Et j'ai aussi des personnes à la retraite, où on passe de passer à la retraite, qui ont envie de redécouvrir des lieux qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, des lieux dont ils ont entendu parler. Donc, quand on a le passage sensoriel où il faut sentir certaines plantes, tout de suite, des souvenirs reviennent de quand ils étaient plus petits. Souvent, oui, ma mamie faisait ci avec ça, et donc voilà.
Alors moi j'ai une question effectivement concernant les différents parcours que vous faites. Oui. C'est plutôt dans le nord de la Martinique ou plutôt dans le sud, ça se passe généralement comment? Alors on a des balades dans le sud et dans le nord. Donc les balades du nord sont en journée pleine, en général le vendredi. Et les balades du sud se déroulent du lundi au jeudi et se font en matinée ou en après-midi. Et c'est toi qui mènes les randonnées ou bien vous êtes plusieurs Alors pour le nord, j'ai un guide avec moi, voire parfois un maître nageur sauveteur, puisqu'on est parfois dans la rivière, ça dépend. D'accord. Et pour le sud, par contre, c'est moi qui mène la balade seule. Et donc, je donne des explications, je permets aux gens de se réapproprier la nature avec un peu de méditation. Et mon plus jeune client, il avait 3 mois. Ah. Alors, j'ai une question aussi concernant les différentes personnes qui viennent. Donc, c'est plutôt des locaux ou des touristes, parce que tu as parlé de la population qui vient avec l'âge. Mais c'est des touristes Pour l'instant, c'est plutôt des locaux, ou comme je disais, des expatriés qui reviennent en vacances. Mmh. Et c'est surtout le public que j'ai reçu. Ils sont très demandeurs de ces choses et ils apprécient en fait tout ce que je leur montre. Alors là, c'est l'occasion d'ouvrir aux touristes qui viennent, parce que là, on a quand même beaucoup de touristes qui sont venus en vacances. Oui, justement, tout le monde est bienvenu. Hein, tout le monde est bienvenu. Après, c'est avec plaisir que je vais montrer à tout un chacun, touristes, locaux, ce que je fais, ce que j'ai envie de leur montrer. En fait, c'est un prisme qui est le mien, que je veux mettre à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis une amoureuse de la nature. Et je peux m'émerveiller d'une petite bête et les gens vont trouver ça peut-être bizarre, mais bon, voilà quoi. Donc c'est ça en fait. Je voudrais émerveiller les gens pour qu'ils puissent à la fois s'approprier et protéger la nature. Et en dehors de la randonnée, parce que moi j'aime bien faire des randonnées, mais j'aime bien me poser aussi de temps en temps avec mes potes, manger un peu, profiter un peu de cette nature. Qu'est-ce que vous proposez Alors tout d'abord, ce n'est pas de la randonnée qu'on fait, c'est de la balade. La balade. Voilà, donc ça reste très lent, on n'a pas de tranche horaire vraiment. On a une heure pour commencer, mais on peut dépasser de 15-20 minutes, ça dépend. Après, c'est le public, il a envie de... Voilà, ça dépend du public. Donc, pour la restauration, nous proposons un brunch en matinée, donc aux alentours de 11h45 quand on revient. Il y a un brunch qui nous attend avec des jus locaux, des produits locaux magnifiés par nos traiteurs. Et en après-midi, pareil, hein, on a une restauration mais qui est de l'ordre du goûter créole, où on va vraiment redécouvrir en fait les gâteaux anciens, tout ce qu'on a de les gâteaux préférés des Martiniquais. Nos produits. Voilà, les petites tablettes, les choses comme ça. Donc, voilà. D'accord. Je voulais savoir, quel est ton rapport avec la nature? Puisque ce n'est pas n'importe qui se lance dans ce domaine. Et si tu as su une formation, parce que je me dis, c'est sur le chemin pour expliquer une plante, il faut quand même être informé, avoir des compétences. Alors, tout d'abord, j'ai eu une formation en tourisme vert. Et j'ai eu une formation aussi en tant qu'accompagnateur écotouristique. Okay. Donc après, j'ai des connaissances de la nature en elle-même, de notre biodiversité et aussi de quelques plantes. Après, je ne connais pas tout, mais il y a des plantes, je pense que les Martiniquais, pour la plupart, ont une certaine connaissance des plantes et de on va dire, la pharmacopée locale. Donc voilà. Moi, justement, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers la nature? Est-ce que c'est depuis petite que tu t'es dit, j'ai envie de faire ça, ou bien c'est quelqu'un, ta grand-mère, ta maman, ou qui t'a donné l'amour de la nature? Alors, quand on se cherche, souvent, on part dans des directions où on se perd parfois. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, tout de suite, je me suis rendu compte, en fait, la nature, c'est ce que j'aime. Donc, et je me suis dit que j'aurais aimé pouvoir en faire profiter d'autres personnes. Donc, il y a déjà ce biais-là. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai remarqué que la biodiversité martiniquaise était très peu connue des Martiniquais eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de proposer quelque chose, et quelque chose qui plaît, en fait. Moi, je sais qu'une partie de la population, c'est ce qui signifie Wanasera. Mm-hmm. J'aimerais bien que tu le dises, justement.
Alors, Iwana Serra, donc c'est le premier nom que les Amérindiens ont donné à la Martinique. Donc, c'est un nom, enfin, il y a une petite histoire qui dit qu'en arrivant sur l'île, ils ont vu beaucoup de reptiles, dont des serpents. Et il y avait aussi des iguanes. Mais comme il y a des mots tabous chez, dans certaines cultures, donc dans celle-là aussi, ne voulant pas prononcer le nom du serpent, on l'a nommé du nom du cousin, donc l'iguane. Donc, Iwana Serra, île aux iguanes, Iwana, iguane, Serra, île. Voilà. D'accord. Maintenant, on va faire une petite pause clip. On revient tout de suite après. Et si vous avez des questions pour Ré, Chocolat, vous avez le numéro de téléphone qu'elle connaissait bien. 05 96 71 27 07. Voilà, on se retrouve tout de suite après le clip. Yeah.
Ben voilà, souvenez de nous, jeunes sommes en direct avec la petite bombe, chocolat, Tanounou, Vincent, je Eric. Je ne fais pas partie de votre bombe, Claudie. Ben, non, je rigole. Eric qui représente Iwana Serra. Mon Dieu, c'est dur, c'est compliqué. Non, ça va. Ça va donc voilà, Tania qui m'a dit, Claudie, il faut parler du volet éco. On écoute Tanounou. Mais on écoute la partie écologique parce qu'effectivement, sur le logo, j'ai vu 100% slow tourisme et éco. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment axé sur la partie écologique. Tu nous as même fait une petite réflexion que je trouve quand même très intéressante. Et il faut protéger la nature, c'est important. Justement, lors de tes balades, qu'est-ce que tu prônes justement aux personnes qui viennent visiter, mais visiter quand même, parce que revisiter le pays. Quels sont les gestes écologiques que tu donnes à tes clients, on va dire? Alors tout d'abord, je mets le statut de la forêt comme un être vivant et intelligent qui communique. Et moi, j'invite les gens à préserver. Et quand ils sortent, quand ils vont à la mer, il n'y a pas de petits gestes, en fait. Chacun, on emmène un sac et on ramasse ce qu'on trouve. On prévoit des gants si on n'a pas envie de toucher. Et c'est ce que je fais dans mes balades. Après, je ne fais pas forcément systématiquement. Des fois, je peux être un petit peu à la bourre. Mais bon, je fais en sorte de ramasser ou de rassembler. Après, je passe, je ramasse. Donc, notre démarche écologique, elle est dans l'ADN carrément d'Iwana Serra, puisqu'on l'a pensé dès le départ comme ça. Donc, nous n'avons que du matériel réutilisable. Oui, c'est ça. On n'a pas de jetable. On utilise du matériel naturel comme le bambou ou la calebasse. Et cette démarche-là, cette valeur-là qu'on a, on essaie de la retrouver aussi chez nos partenaires, donc que ce soit chez le traiteur ou quand je vais prendre des petites choses chez des petits marchands et tout, j'essaie de questionner pour savoir comment ils font, comment ils fabriquent leurs produits et voilà quoi, ce que je vais proposer aux gens. Et c'est aussi cette espèce de valeur que je partage avec mes visiteurs. D'accord, donc ça veut dire que quand la personne est sortie de la randonnée, il sort avec un nouveau geste pour la planète et surtout pour notre île, parce qu'il est magnifique. Et puis une façon de redécouvrir la Martinique avec les senteurs, le toucher, tout ce qui est autour de oui, tout ce qui est autour de la balade. Et c'est aussi une façon de mieux préserver la nature, puisqu'on la connaît mieux, on l'a connue, on va dire, de façon plus intime, puisqu'on est amené un moment à se poser près d'un arbre et à en fait se détendre, peut-être des fois lui confier un petit secret ou quelque chose comme ça. Donc c'est ces choses-là que je propose. Donc on a un appel, on va prendre l'appel. Zéconique, bonsoir. Bonsoir, c'est Nicolas Césaire, ça va? Ah ok, ça va Nicolas? Ben, je vous souhaite une très bonne année, santé, réussite. Ok, merci. On te remercie, Nicolas. Nicolas. Bonne année à toi aussi. On te remercie, ça fait plaisir. On te remercie de ton appel, Nicolas. Alors, tu n'as pas demandé pourquoi il appelle. Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Nicolas? Qu'est-ce que vous racontez? Ben, il faut suivre l'émission, Nicolas. Tu n'as pas suivi, tu as pris ton téléphone. Nicolas, on va te taper sous les doigts. Donc, Nicolas, on est là avec Ri, qui partage avec nous son activité Iwana Serra. Donc, ce sont des balades sensorielles. Donc, voilà, si tu as envie de t'apaiser, te ressourcer, tu tapes sur Instagram ou sur Facebook, tu auras toutes les informations. Ou tu regardes le replay de l'émission samedi. Ouais. Et chocolat, va bien? Oui, ça va, Nicolas. Ça va. Merci beaucoup de nous suivre à ta façon. Et merci de ton appel et de ta pensée. Et toi aussi, je ne te dirai pas bonne année, mais meilleure vie. Ok. On te remercie, Nicolas, de ton appel. Donc, on continue avec Riri. Si tu pouvais faire un top 3 des randonnées en Martinique, quelles seraient les tiennes? Je ne suis pas dans... On a rien à envier aux autres îles. Donc, toutes nos balades sont belles. Après, je privilégie certaines parce qu'elles sont plus à la portée de certaines personnes. Et vu que moi, ce que je cherche à faire, c'est faire les gens renouer avec la nature, donc je ne m'engage pas sur des balades trop difficiles. Mais la Trace des Caps, c'est une très belle balade. Mmh. Et après, on peut la prendre un petit bout de tronçon, on choisit, et il y a de très belles choses à voir. Y a-t-il des conditions physiques pour participer à tes balades? Alors... je dirais qu'il faut être quand même en assez bonne santé, avoir quand même une bonne motricité
Et par contre, la balade, elle est ouverte à partir de 6 ans jusqu'à ce que la personne se sente capable de faire la balade. Et en fait, chez à Iwanasera, on essaie d'accompagner, on laisse personne derrière. Je suis toujours avec, on va dire... Oui, je suis toujours avec le dernier. Je suis toujours avec le dernier. Et voilà, quoi. Ok, d'accord. Une question ? Oui, moi, est-ce que vous avez des... Qu'est-ce que vous proposez en ce qui concerne tout ce qui est zen, où on veut plutôt être dans le côté bien-être, type yoga ? Est-ce qu'on propose des... Dans le côté bien-être, ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'après chaque balade, il y a le brunch, mais qui est suivi de massage. Donc, le massage. Voilà. En matinée, donc le massage est en option. Et sinon, en après-midi, le massage est inclus dans la balade. Donc, s'ils veulent se faire masser à la fin, il y a des problèmes. Alors, justement, où se passe le massage? Parce que ça, c'est au bord de la plage. Oui, le massage se passe à la plage ou en forêt, si on est en remontée de rivière. D'accord. Vous êtes plutôt terre-mer. En fait, on touche à tout. Oui, on est sur le... On circule sur le littoral. Donc, on a à la fois les bienfaits de la mer et les bienfaits de la forêt. Et c'est le public qui choisit ou c'est vous qui proposez? Oui, c'est un jour une balade. Ah, bien. Donc, le lundi, c'est les salines. Mardi, marin, Cap Macré. Et jeudi, en Scaritan. Et le vendredi, c'est dans le nord, les remontées de rivière. Donc, d'accord. Chocolat. Oui, en fait, j'aimerais savoir comment tu t'es organisée par rapport au lieu. Parce que, comme tu ne fais pas de randonnée, mais que ce sont des balades, comment tu t'organises? Est-ce que tu restes là et puis tu visites avant plusieurs... Oui, c'est-à-dire que les sites qu'on propose, ce sont des sites qu'on a visités avant et qu'on a sécurisés. Donc avant chaque balade, ou si on n'a pas été depuis longtemps, donc on fait du repérage, on regarde s'il n'y a pas des branches, s'il n'y a pas... là, c'est un peu plus de travail de guide, on va dire. On va sécuriser le terrain avant de recevoir du jeu. Donc c'est toi ou c'est le guide qui s'en occupe? C'est moi, pour la partie sud, c'est moi. Sinon, si on est dans le nord, je pars avec le guide et on va sécuriser le terrain avant la balade. D'accord. Il y a quelque chose que nous, les Martiniquais, qui sera ancré dans la culture. À chaque début d'année, on fait un bain des marées. Est-ce que vous proposez ça? On ne propose pas forcément de bain des marées. Et je n'ai pas encore eu cette demande. Mais bon, si je l'ai, je pourrais peut-être organiser ça. Voilà, c'est bon, l'équipe. Moi, je ne sais pas ce que c'est un bain des marées. Est-ce que tu serais prêt d'aller faire une balade sensorielle? Oui, moi, avec plaisir. Je pense que je vais essayer. Peut-être avec vous. Pourquoi pas? Ben Démarie, pour te répondre, Ben Démarie, apparemment tu vas à la rivière, c'est ça, je sais pas. Aïli, peut-être qu'il va nous dire plus dans sa chronique tout à l'heure, mais en général, c'est bien avec des feuilles, tout à la rivière. Chacun fait à sa sauce. Quoi. Go, tu te ressources, quoi. Voilà. Tu vas à la ressource. Tania a peut-être plus loin. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps. T'en as pas fait? En fait, c'est dans l'ordre du magico-religieux local. Et dans l'idée d'une nouvelle année, un renouvellement. Un renouveau, un baptême. Oui. On prend la dernière question avant de quitter Raymond. Zaykonik, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Alors, je m'appelle Audrey, je vous remercie. Audrey de Basse-Pointe. Audrey, on t'écoute. De la Guadeloupe. Ah, Audrey de la Guadeloupe. Ah, Audrey, tu fais déjà ton petit planning. Tu as déjà mis Iwanasera pour les prochaines sorties en Martinique, c'est ça? Tu as découvert tout mon secret. Ok. On t'écoute. Donc, je voulais vous dire que j'ai déjà profité avec toutes les personnes qui vous amènent. On t'entend très, très mal, Audrey. Je t'ai dit, est-ce que tu m'entends mieux? Oui, là, c'est bon. Je te disais que, en fait, je vous souhaitais depuis la Guadeloupe, en fait, une très bonne heureuse année 2021. Merci, Audrey. Bonne année à toi aussi, Audrey. Ça fait plaisir. Et une bonne année aussi à tous les Guadeloupéens qui nous regardent tous les mercredis. Oui, alors je vous regarde pas tous les mercredis, mais en tout cas le plus souvent que je peux. Et surtout que, en fait, moi, je vous soutiens à fond parce que c'est un peu dur pour vous au niveau du confinement, etc. Et je souhaite à votre fille aussi que vous puissiez commencer à vous développer un peu plus, que le corona nous quitte et qu'on puisse complètement sortir de cette mauvaise année et qu'on puisse évoluer en 2021. Et que votre émission qui sert vraiment à la culture de la Martinique puisse avoir
toujours la force de développer son projet qui, je pense, est d'utilité publique. Ah, okay. C'est vrai. Merci en tout cas. Bon, toi, merci de ton intervention, Audrey. Alors, encore une bonne année et merci à toi. Je t'écoute. Et pour pour Ray. Voilà, en fait, son projet est très intéressant et je voulais savoir, est-ce qu'elle a eu des approches au niveau des collectivités, des enfants aussi qui sont peut-être à l'école ou au collège, face aussi du tourisme local, parce que vous savez, les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas assez le terrain où ils sont. Et en fait, savoir est-ce qu'il y a peut-être des petites collaborations qui sont en cours ou pas, et est-ce que ça l'intéresserait. Et je voulais dire aussi que son projet, il est super, parce qu'on ne peut pas rivaliser par rapport, par rapport à Punta Cana, Cuba, etc. Mm-hmm. Et je pense que son projet, c'est l'avenir des petites îles comme la Martinique, qui peut déjà rivaliser à travers son originalité, et surtout permettre de ne pas brader la richesse qui lui est propre. Donc, continuez comme ça. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Merci. Voilà, merci. Elle a une question très importante. Merci, Audrey. Merci à toi. Donc, si tu peux répondre à Audrey sur... Alors, merci, jeunes. Audrey. Bonne année à toi. Et donc, c'était prévu en 2020, mais bon, tout est tombé à l'eau. Okay. Tout le monde sait déjà pourquoi. Donc, moi, j'attends de nouvelles propositions et je suis ouverte à ce genre de propositions parce que moi, ça me plaît justement d'éduquer parce que je pense que tout, c'est une question d'éducation. Donc, éduquer les jeunes, les enfants à la préservation de leur île, leur montrer qu'ils ont quelque chose de magnifique, quelque chose de très recherché, ben, ça me ferait plaisir, de toute façon. Ok. Mais Antoine, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour Iwana Serra? Alors, pour Iwana Serra, ben... 2021 raison de réussir, d'exister, voilà. Oui, en fait, je veux juste que Ray, en fait, rappelle ses coordonnées. Ah oui, ses coordonnées. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, Iwana Serra, on est sur Facebook. Donc, Iwana Serra Excursion et sur Instagram aussi. Et puis, mon numéro de téléphone, c'est 0696 20 60 82. Donc, voilà, vous pouvez me laisser des WhatsApp, je vous réponds. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, bon, okay. Merci. Nous, on fait une petite pause clip. Le temps de recevoir Aïli Ozaïa Poulon Kounik. Et ensuite, on aura le Haïm. Et on revient tout de suite après. Merci. Chaque lema café, chame café, boum boum boum. Boum boum boum. Chame café, boum boum boum. Pour café, moi, fly, pretty girl. Chaque lema café, chame café, boum boum boum. Boum 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 dans la tête. C'est moi qui a chanté, mais c'est vous qui vedette. Action, réaction, mon pied qui raté en miette. On est en steak et talk et silhouette. Tout c'est en Caribbean, girl, them. Afrobeat, ten soldes, not, y'a pas de problème. Au soir, y'a c'est là, j'ai go. Vini, vini, vini danser, tellement ou bon c'est pur comment c'est fiancé. Boum boum, nous j'appartis à d'ailleurs lancé. Allo bébé, y'a ni fait sans balancer. Vini, vini, vini danser, move up, baby girl chaloupé. Collé, couple, prié, quitté, qu'on en fouté. Chata son nous tout ça ou commandé. Boum boum boum, tu me café boum boum boum. Ou café, moi fly, petit girl, chaque le manque à fond, tu me café boum boum boum. Café boum boum boum. Ou café mwen fly pretty girl. Chaque le mon café ou chan mwen café boum boum boum. Mwen akode ou kon astan mwen maka. Ou ni sa ki fou, wat ki ne kaka. An pe pare te tranquille de yon ni trep chakale. C'est pour ça qu'en fizi mwen toujou change yon bal. Fini wane yon le mwen mwen za tchad. Quand si koule sou mwen je trouve sa bad. Baby te ya mwa tu mérite sa bad. Ou karen mwen deng deng a pa blag. Man yon ka brenne baby girl sa bad. Baby, oh my god, pum pum kabat, bug moi ya pa blog. Me take a walk on ba, shoot, yeah.
mwen tak Boum 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 Chèmè ka fè boum 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 Ou ka fè mwen fly pretty girl Chèk lè mè ka fè ou chèmè ka fè boum 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 Chèmè ka fè boum 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 Ou ka fè mwen fly pretty girl Chèk lè mè ka fè ou chèmè ka fè boum 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 Boum, boum, boum. Tu te rappelles du son? Ils étaient là. Alors, on est dans votre sac, la petite bande. Aïlé, Aïlé, bonsoir, comment vas-tu? Coucou, ça va très bien, ça va mieux. Plus en forme pour le début de l'année, donc c'est cool. Les bonnes résolutions de cette année? J'attends pas en général la nouvelle année pour prendre des résolutions. En général, chaque limite, c'est tous les mois que je me donne de nouvelles résolutions et tout. Mais je vais quand même vous donner des petits tips pour bien démarrer l'année. Le 31, ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. Écoute, on est rentré tout chez nous à 6h. C'était cool, ça faisait longtemps. 4 jours pour s'en remettre, mais sinon ça va. Et Ozaya qui est là avec nous. Ozaya, comment Hello. Vas-tu? Bonsoir. Bah, ça va bien. Bonsoir à vous. Bonne 31. Année. Bonne année à toi aussi. Ozaya. Plein de bonnes choses. Alors le 31, ça s'est passé comment? Ça s'est passé à la maison, en petit comité. Et on a attendu 6h du matin pour tous aller se coucher. Histoire de dire, on fait quelque chose. Les résolutions de cette année. On continue dans la joie, on essaie de faire au mieux et d'être encore mieux. Okay. Ouais. On va commencer avec toi, Ozaya. Eh bien, ok. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une application que j'ai découverte. Ça vient d'une petite histoire où je ne trouvais pas d'ophtalmo. Petit clin d'œil à Daniel. Tu vois Daniel. Je trouvais pas d'ophtalmo et je trouvais pas d'orthophoniste pour ma fille parce qu'en Martinique, on est vraiment saturé, comme les dentistes, comme les orthos, enfin voilà. Et du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé une application qui s'appelle Care. Et en fait, c'est de la téléconsultation médicale. Alors, vous allez me dire, ouais, la téléconsultation médicale, c'est bon, quelqu'un d'autre. Alors, il te faut une connexion, une tablette, un ordi ou un téléphone. Ouais, enfin, quelque chose qui est en tout cas connecté. Il vous faut une imprimante, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et puis, surtout, il faut télécharger l'application. Donc, voilà, ça s'appelle Care. Et donc, on télécharge l'application et on se laisse guider. Donc, on entre notre nom, notre prénom. Il faut savoir que c'est sécurisé. C'est en lien avec la sécurité sociale, que les mutuelles les prennent en charge. Et donc, j'ai commencé à suivre un petit peu le fonctionnement et j'ai réussi à trouver, donc, en premier lieu, une orthophoniste, donc pour ma fille qui avait des soucis d'orthophonie. Et je vous assure que j'ai eu un rendez-vous en moins de 24 heures, que j'ai eu son bilan en 48 heures. Un bilan complet, qu'elle m'a redonné un autre rendez-vous parce qu'un bilan ne se fait pas une seule fois pour l'orthophonie. Donc j'ai eu la semaine d'après, j'ai pu jouer avec Care, alors j'ai essayé, donc j'ai fait une demande de généraliste, une demande de gynécologue, il y a de tout en fait sur Care. C'est une plateforme d'ici? C'est une plateforme en France et on peut l'utiliser à l'étranger. C'est-à-dire que c'est à nous de fonctionner sur les horaires, bien évidemment, français, sur le fuseau horaire français. Mais c'est que des professionnels de santé en France, français, mais des praticiens. J'ai déjà vu un reportage qui parlait de ça, notamment par rapport au coronavirus. Mais je me dis, comment ça se fait de la dire, yo, le gars ne te touche pas et te dit. Je pense que tu dois décrire les symptômes. Alors, il faut décrire ces symptômes. Du coup, il y a des gens qui sont réticents par rapport Exactement, à ça. Exactement, parce qu'il faut décrire ces symptômes et surtout, il faut que ça soit des symptômes bénins. Il ne faut pas que ça soit. Okay. Si tu commences à avoir. Tu commences à vomir du sang, des choses comme ça. Il faut quand même rester raisonnable sur la consultation. Mais pour un rendez-vous ophtalmo, pour un renouvellement de lunettes, un renouvellement de lentilles. Attendre 6 mois pour voir un ophtalmo, ça fait mal, quoi. Donc voilà, c'est une super appli. Alors, juste pour vous donner un petit peu d'infos, c'est quand même le tarif de 25 euros. C'est le même tarif conventionné que la sécurité sociale. C'est exactement le même. Il n'y a pas de surplus pour un secteur 1, donc généraliste. Pour un spécialisé, il y a des dépassements d'honoraires ou des conventions de sécurité sociale, mais ça reste la même chose. Si vous avez le ticket modérateur, ça fonctionne. C'est des professionnels qui consultent en cabinet, donc ils sont
dans leur cabinet, ils ne sont pas chez eux dans leur salon ou dans leur chambre. Vous pouvez leur poser des questions. S'ils ont peut-être pas les infos qu'ils font, ils vont prendre le temps de vous répondre. C'est-à-dire que si vraiment ça devient trop compliqué, ils vont vous dire d'appeler le 112 ou d'aller sur une plateforme du 15 ou du 18. Et donc, ils vous mettent vraiment à l'aise, en tout cas, pour pouvoir faire la consultation. Donc voilà, c'était un bon... C'est un bon compromis. J'ai déjà essayé, hein, d'ailleurs. Ouais, tu connais. Mais moi, pas avec Care, avec Doctolib. Exactement. Et en fait... Et on fonctionnait mais pareil. Exact. Mais est-ce que tu trouves ici pour la Martinique? Oui, Doctolib. Ouais, Doctolib, oui. Oui. Okay. Et pareil, ouais. Comme vous allez, moi, c'était pour mes yeux. Et le lendemain, j'étais déjà en rendez-vous. Voilà. Et la semaine, j'avais déjà mes corrections. Tes corrections. Pour aller récupérer voilà, donc on s'arrive pas Daniel, sur des petites choses. Daniel, prends notre Care. Mais ça marche pour la gynécologie. Il y a même des sexologues, il y a des nutritionnistes. Voilà, il y a vraiment énormément de praticiens. Chocolat sexologue. Et tout ce qui est, pour revenir à tout ce qui est visio, ce serait vraiment plus pour renouveler, par exemple, des ordonnances, des médicaments, tu vois, ouais, vois, pour éviter d'encombrer. D'encombrer, c'est pas mal. Il me semble que tu nous auras mis une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo explicative en 40 secondes, 50 secondes. Voilà. La vidéo, s'il vous plaît. Ben voilà, donc c'est voilà. Bon pour... Ouais, super. Alors, je voulais juste rebondir vite fait concernant la chronique d'Ozaya. Ça a été développé plutôt dans les petites régions de France. Tout à fait. D'accord ? Parce qu'ils n'ont pas... Tu dois avoir un médecin 200 km, voire même plus. Ouais, et donc, du coup, ils ont mis ça en place. Et maintenant, c'est en train de se développer un peu partout. Et ça arrive dans les grandes villes. Dans les grandes et villes, et ça se passe super bien. Ouais, voilà. Vraiment bien. Ça. Et juste pour rappeler aussi une petite info, c'est qu'il y a Care... Bien sûr, en France, il y a Doctolib ici. Ici, quand même, Doctolib vous renvoie quand même beaucoup sur des praticiens physiques. Donc, vous pouvez faire en deux temps, c'est-à-dire prendre un premier rendez-vous et attendre pour le deuxième rendez-vous, pour le rendez-vous physique. Ok, voilà. D'accord. Et Daniel, notre Daniel, qui est venu nous rejoindre tout de la table avec son projet Créole aujourd'hui. Daniel, comment vas-tu? Ben, ça va. T'as passé de bonnes fêtes après le 31? Oui, ça a été. Ben, c'est en famille. En famille. Un petit bon bac qui t'a fait. Oui. Tu n'as pas de résolution là cette année, Daniel? Ben, j'ai pas vraiment de résolution. T'as raison, vive là. C'est juste le chiffre qui a changé. Voilà. Donc, Daniel, c'est quoi le proverbe du jour? Donc, proverbe, je dis, c'est bœuf, pas jamais las, poté connu. Daniel va dénicher ça. Non, mais lui, il va vraiment piéger. Non, mais c'est parce qu'au début, c'était trop facile. Voilà. C'est fini. Donc, là, voilà, c'est... Je me suis dit. Pas jamais la spot economy, bah, c'est parce que. Voilà. Je sais pas, c'est quand tu es fait pour quelque chose. Je sais pas. Je vais devoir le supporter. Bef, pas jamais la spot economy. Pot economy. Oui, le bœuf. Les cornes, c'est les cornes de bois. C'est corne à lui. Est-ce que c'est pas ses enfants? Genre, c'est lui qui supporte ses enfants? Ouais, c'est ça. Effectivement. Ah ouais. Cela signifie que les parents supportent toujours leur enfant, peu importe la situation. C'est joli. Okay. Ah ouais, les parents supportent toujours. Tu n'auras pas le choix. Voilà. Tu n'as pas le choix. Je profite et j'ai un message à faire passer pour Daniel. Je tenais à te dire qu'en plus de nous faire plaisir sur le plateau avec tes proverbes, j'invite tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux parce que tu me fais rire avec tes sketchs, avec tes vidéos. Et continue comme ça. Donc, si tu peux rappeler tes spectateurs sur ton Instagram pour qu'on puisse voir mon Instagram, c'est DanielJZ97. Ok. Merci, Daniel. Et on passe tout de suite avec Ailey qui va nous donner les bons plans. On parle de Benzimarie. C'est vrai que chaque début d'année, on a toujours envie d'avoir une résolution. On va au sport, on a envie de manger sainement. On ne sait pas, on veut de la chance. Ben, Ailey va nous dire comment démarrer l'année. Comme je t'ai dit, moi, c'est vrai que je ne suis pas résolution forcément de nouvelle année. Mais quand même, on ne peut pas nier le fait que c'est un pas. Le fait de changer d'année, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce moment, que ça leur sert de motivation pour se booster et puis pour prendre de bonnes résolutions. Et du coup, mais moi, je trouve que ça peut être l'occasion, effectivement, de changer des fois certains fonctionnements qu'on a, de démarrer de nouvelles choses. Alors,
pour revenir sur le bain des marées, c'est pas forcément le bain avec les feuilles, etc. C'est le bain, en fait, qu'on va prendre au début de l'année, soit à la mer, soit à la rivière. Et en gros, on le prend normalement tôt le matin pour bénéficier, on va dire, des énergies de l'eau qui vont épurer les anciennes énergies, nous débarrasser des énergies de l'année passée et nous recharger en énergie positive pour la nouvelle année. Donc, c'est une tradition. Pour se renouveler, ouais, exactement. Oui, c'est une tradition ici où les gens, ouais, ils vont à la plage tôt le matin, le premier en général. Enfin, voilà, ça se fait assez. Tu l'as pas fait, toi? Non. J'ai pas encore fait. J'aurais pensé que tu l'aurais fait. Ah, je connaissais pas. Pourquoi. Mais je connais, donc. Ah ouais, j'ai pas peut-être j'étais à la plage. Sans dormir. Tu n'avais pas rendu compte. Moi, je pensais. Alors, mes conseils pour la nouvelle année, déjà, ben, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire le tri. Donc, de faire le tri déjà chez vous. Parce que, ben, pareil, on parlait d'énergie, mais toutes les choses qui stagnent, qui sont là, qui ne bougent pas, qu'on n'utilise pas, c'est bien de s'en débarrasser, justement, pour faire les bonnes vibes circuler chez vous. Donc, les assiettes et les verres qui sont ébréchés, qu'on n'a pas envie de jeter parce que, oui, mais ça a été offert ces jeux. En jette. Les culottes trouées. Ah non, mais c'est la base. C'est fétiche. On peut faire une brocante chez vous. Avec des culottes trouées. Alors, non, mais oui et non. C'est vrai que moi, je parle souvent du principe où je n'aime pas donner une chose que je n'aurais pas aimé recevoir. Cependant, c'est vrai qu'il y a des associations, notamment l'Assise, qui récupèrent même des vêtements usés, qui les réutilisent, qui les recyclent, en fait. Donc, effectivement, quand je dis on jette, c'est on s'en débarrasse. Mais voilà, si vous sentez que c'est quelque chose qui ne peut vraiment pas servir, jeter, ne donnez pas vos poubelles aux gens. Okay. Maintenant, si c'est quelque chose qui peut être recyclé, retapé, resservi, c'est toujours intéressant de proposer. Mais en tout cas, faites le tri chez vous. Allez dans tous les recoins où vous n'avez pas été, où vous avez laissé des choses traîner, qui ont pris de la poussière, qui est là depuis 10 ans. Et puis nettoyez. Je vous assure que vous allez vous sentir mieux après. En termes de tri, on fait aussi le tri dans les relations. Parce qu'on ne va pas redémarrer l'année avec des boulets, des gens qui nous on fait comment les copines, tu sais, les copines là, qui aiment bien prendre des Milan machin, raconter, et puis qui te font perdre des heures au téléphone, et puis quand t'as fini tu dis mais j'ai pas bossé, je me suis pas occupée de mes enfants, et puis au final qu'est-ce que j'ai fait, dire du mal des gens, ça vous avance à rien, laissez ça tomber. Pareil, les collègues de travail qui sont là, qui te pompent ton énergie, veulent savoir ta vie, veulent savoir ce que tu fais, mais derrière tu sais, ils vont raconter au patron, t'as fait ci, t'as fait ça machin. On les bannit, on les boycotte. Les gars là qui vous disent mesdames, non, je vais quitter ma femme, t'inquiète pas, laissez-le tomber aussi. Les ex qui essayent de revenir, tout déposer, ça. Déposer, quoi. Voilà, c'est déposer. Déposer le mari de la personne, déposer les ex, déposer tout ce qui ne vous fait. Déposer. Tous ceux qui vous font douter de vous, tous ceux qui vous font vous sentir mal, tous ceux qui, avec qui vous n'êtes pas 100% à l'aise, ne vous embarrassez pas de ces personnes-là pour la nouvelle année. Prenez justement cette occasion pour prendre un nouveau départ et débarrasser et des objets et des personnes qui vous encombrent. Ensuite. Attends, moi j'ai. Est-ce que tu peux donner un exemple de message à envoyer pour. Exactement, pour qu'on puisse le dire. Le gars qui t'envoie des DM et qui te dit qu'il va quitter sa femme. Mais il faut vraiment. Pourquoi donne-nous un exemple? Parce que des fois, tu sais, t'as envie, mais tu sais pas. Le gars qui te dit qu'il va quitter sa femme, écoute. C'est soit tu lui donnes un ultimatum, et puis une fois l'ultimatum arrivé, tu lui dis, bah écoute, ta deadline est arrivée, c'est fini, ton argent est fini, tu descends. Voilà. Soit si tu es un petit peu plus téméraire, ma foi, bah si tu prends les devants, t'appelles la femme, et puis on fait le point. Ah ouais, carrément. Je sais pas encore, la pauvre, parfois elle est pas au courant. Parfois, la pauvre, elle subit. Moi, je tiens juste à dire, tu sais ce que tu fais? Tu delete. Tu delete partout. Non, mais en vrai, voilà. Si vous sentez que les relations n'avancent pas, ne vous forcez pas. Ne restez pas dans ce qui vous fait du mal, en fait. C'est ça l'idée. Et puis voilà, comme je dis souvent, la nature, elle a horreur du vide, mais ça fonctionne aussi dans la vie. Si vous laissez un espace encombré avec des choses dont vous ne voulez pas, vous fermez la porte aux nouvelles choses. Alors que, comme je disais, la nature horreur du vide. Si vous retirez une chose que vous ne voulez pas dans votre vie et qu'il y a un vide, ce vide sera comblé et on espère potentiellement avec des choses positives et des bonnes choses. Donc, encore une bonne raison de ne pas garder, accumuler des choses et des personnes qui ne servent à rien. Ensuite, on prend soin de son corps avec la nouvelle année. Alors, on prend soin de son corps, ça englobe différentes choses. Ça peut être déjà la partie esthétique, etc. Donc, en externe, c'est l'occasion, de se
se remettre au sport, d'utiliser un abonnement à la salle de sport qu'on paye depuis 25 ans et qu'on enrichit, hein, le patron de la salle. Tu rigoles, Chocolat? On enrichit le patron de la salle. Là, tu réfléchis, là, tu dis, ouais, c'est vrai. Si tu fais le calcul à la fin de l'année de tout ce qu'elle t'a donné dans l'année et du nombre de séances que tu as fait, vaut mieux prendre quelques séances bien ciblées avec un coach qui sont plus chères mais qui fonctionnent que de payer un abonnement à la salle et de ne pas y aller, sincèrement. Donc voilà. Et puis pareil, si vous avez du mal à être motivé, à être assidu, mais que vous avez vraiment envie de faire du sport, prenez vraiment un coach, en fait. C'est vrai que c'est un peu plus cher que les prix d'entrée d'une salle de sport, mais c'est beaucoup plus motivant, on a beaucoup plus de résultats. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et puis si on a le budget qui est vraiment limité, mais qu'on a envie quand même de faire quelque chose pour son corps, il y a des applications, il y a des vidéos sur YouTube, des choses qu'on peut faire même sans matériel à la maison. Donc n'hésitez pas. Mais c'est le moment, voilà, c'est le moment de vous motiver et puis d'aller voir ce que vous pouvez faire. Et c'est le moment d'arrêter les excuses. Ensuite, appuyez aussi pour si vous avez justement, si vous avez envie de bouger, mais que vous êtes du genre, moi je suis du genre à me lasser aussi rapidement des choses. Ray, elle nous a parlé de ses balades, mais vous pouvez faire des randonnées un peu plus sportives, des excursions, du kayak, des choses comme ça qui font plaisir, mais qui nous font bouger. Mine de rien, je vous jure, faites une demi-journée de kayak, vous allez me dire si vous n'avez pas fait de sport après. Ah, mais bien sûr. Alors, en dehors du sport, bon, en externe, on peut prendre aussi soin de sa peau, soin de ses cheveux. C'est le moment d'établir une petite routine beauté, d'apprendre à se maquiller, pourquoi pas, se faire plaisir, les choses qu'on a toujours eu envie de savoir faire et puis qu'on n'a jamais essayé, d'aller faire un petit tour en institut, pourquoi pas. Tant que ça vous fait en fait vous sentir bien dans votre peau. Et en termes de beauté, je pense que très rapidement je vais venir vous donner vous montrer j'ai des pépites là, j'ai des accessoires révolutionnaires de routine beauté. Jessica, tu vas kiffer. Même les cieux, je pense que vous allez aimer. Je vais m'y mettre. Et surtout, on parle des femmes, c'est ce qu'elle dit aussi, que tu présentes de temps en temps pour les hommes. Alors je vais dire un truc, quand on parle de beauté, c'est vrai qu'on parle souvent aux femmes, mais ça concerne les hommes. Les produits et les soins, ils sont tous mixtes. Et ce que je vais vous montrer, ce sont des choses que j'utilise, mais que les hommes peuvent aussi utiliser. J'essaie de vous ramener tous à la... Mais il faudra me faire de la place. Je ramène ça la semaine prochaine. Et alors là, on était sur la partie externe. En interne aussi, c'est important de prendre soin de soi. Donc, pour éviter de tomber malade, moi, c'est quelque chose que je fais. Je suis pas très pro-médicaments, c'est pas trop mon délire. Par contre, j'aime beaucoup les compléments alimentaires. C'est aussi le moment de faire une petite cure. On a des petites ampoules à base de produits naturels qui vont redynamiser. C'est le moment de prendre des compléments magnésium, Et puis, pourquoi pas profiter pour faire les check-up que vous n'avez pas fait, les bilans sanguins, les choses qu'on laisse traîner. Parce que ça peut être un bon indicateur aussi pour des fois, on ne sait pas pourquoi on est fatigué, pourquoi on n'est pas en forme. Profitez-en pour votre petit check-up. Et pourquoi pas rééquilibrer tout ça après avec des compléments alimentaires, soit en rééquilibrage, soit en préventif. Mais voilà, c'est une bonne occasion aussi pour se remettre en forme et puis repartir du bon pied. Ensuite, prenez soin de votre esprit. Donc, on a tendance souvent à s'emballer dans un rythme. On travaille, on a les enfants, on a la vie de famille, on sort avec les amis, enfin voilà, on fait tout un tas de petites choses, mais on prend peut-être pas assez soin de nous et de notre esprit. Donc c'est aussi le moment pour, je sais pas, les créatifs de se relancer dans leurs loisirs, vous avez toujours eu envie d'essayer la peinture, de chanter, de faire des sculptures, pourquoi pas, lancez-vous, c'est le moment, franchement, n'hésitez pas. Pourquoi on se donne des limites, au fait Comment ? Il faut pas se donner de limites. Voilà, il faut pas se donner de limites, il faut pas se dire, alors je vais prendre un exemple. Ma soeur va rire. Si elle voit l'émission aujourd'hui, elle va très rire parce qu'en fait, j'adorerais peindre. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les pinceaux, j'ai les toiles, j'ai tout ce qu'il faut. Et je peins. Mais mon Dieu, le résultat, c'est entre ce qui est dans ma tête et ce qui est, sur la toile. Mais je me dis, il y a quelqu'un qui est passé entre les deux, qui a cassé le talent, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas moi, grave. Moi, tu en le fait. Fais. Voilà, oui, en fait, mais je le fais parce que je me fais plaisir. Je ne le fais pas pour exposer, de toute façon. Ça me fait du bien de le faire. Ça me fait plaisir. C'est un moment où je me déconnecte, où je m'amuse. Et personne ne voit, en fait. Donc, faites ces choses-là, chantez sous votre douche, même si voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre le micro et d'aller à l'extérieur. Mais faites ce qui vous fait plaisir. Mais ça va vous faire du bien à l'intérieur. Et puis je vous conseille aussi la méditation. C'est un sujet dont pareil j'aimerais qu'on reparle. La méditation, c'est quelque chose qui aide énormément. Alors on en parle souvent en termes de détente, de zen, mais ça peut vous aider dans
tous les aspects de votre vie, à débloquer beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a Sarah Lazar qui est à l'université de Harvard et qui a mené une étude qui prouve qu'en 8 semaines, c'est pas énorme, d'entraînement, le cerveau, il se modifie, si tu veux. Mm-hmm. Et en fait, les zones associées à la mémoire et à l'apprentissage, elles ont tendance à augmenter de volume, tandis que les zones reliées au stress, à l'anxiété, elles diminuent. Tu vois, donc ça, c'est juste une petite information comme ça pour montrer que, pardon, scientifiquement, c'est mesuré, que la méditation, elle peut vous aider. Donc, pareil, il y a des vidéos sur YouTube. Vous mettez votre casque, vous mettez vos écouteurs. Mmh. Et je vous assure, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Pour ceux qui me connaissent. Exactement, Petit Bambou, c'est une application aussi où on peut faire de la méditation. On peut commencer juste pour se détendre, pour se déstresser. Et puis, petit à petit, vous allez progresser, on va dire, dans la pratique et débloquer beaucoup de choses. Donc, je recommande vivement. Et ensuite, je vous recommande justement de changer vos habitudes, de ne pas vous enfermer dans la routine qui est sécurisée. C'est vrai que le fait d'avoir une routine, c'est rassurant parce qu'on sait ce qu'on fait, on a l'habitude, voilà. Mais c'est bien aussi des fois d'oser sortir de sa zone de confort, c'est bien d'oser franchir certains caps. Donc moi, ce que je vous conseille pour bien commencer l'année, c'est de faire une liste de 5 choses que vous avez toujours eu envie de faire, eu envie d'essayer, même des choses, ça peut être des choses très simples comme des choses super folles, hein, on s'en fout, la liste elle est pour vous de toute façon. Et puis essayez de vous donner les moyens de les réaliser. On se dit, dans cette année, j'ai ces 5 choses là, j'ai toujours eu envie de les faire. Ça peut être, j'ai toujours eu envie de faire une balade à cheval sur la plage, je trouve ça beau, je vois ça dans les films. Mais on le fait jamais en fait, parce qu'on se donne pas le temps. Et le fait de le noter quelque part et puis de se dire, je le note, je vais le faire à tel endroit, ça coûte tant par exemple. On met un processus en place pour réaliser ses envies, ses rêves. Ça peut être un saut en parachute aussi. Je dis ça parce que je rêve de le faire, mais en même temps j'ai extrêmement peur. Et c'est bien, je te le conseille. J'ai tellement peur. Très, très peur. J'ai bien envie de le faire, moi. J'ai envie de le faire, mais j'avoue que j'ai peur. Mais pareil, ça fait partie des choses qu'un jour je vais essayer d'oser franchir le cap. Oui. Mais voilà, faites-vous une liste et puis osez essayer de nouvelles choses. Ça va, vous allez surmonter indirectement vos peurs en fait. La peur ou bien alors soit surmonter vos peurs, soit casser la routine, ça donne un petit renouveau aussi et ça fait du bien. Et mon dernier conseil, et c'est un des plus importants je pense pour moi, c'est penser à vous et puis ne vous souciez pas du regard des autres. Parce qu'en fait, malheureusement, souvent on s'empêche d'être qui on est vraiment, on s'empêche de faire ce qu'on veut, ce dont on rêve, parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire. Ah, je ne vais pas mettre ce vêtement parce que les gens ils vont penser que, les gens ils vont dire que. Je ne vais pas faire tel truc parce que, il y a des gens qui font mieux que moi et du coup quand je vais faire, on va penser que je ne suis pas bien, je suis nulle. Arrêtez de vous occuper en fait de ce que les autres ils peuvent dire. Faites pour vous. Et il y a une phrase que je répète beaucoup à mes amis et à mes proches, c'est que quand vous serez sur votre lit de mort, vous allez juste avoir des regrets sur ce que vous n'avez pas fait et vous n'allez pas vous rappeler du visage d'une seule des personnes en fait pour qui vous êtes empêché de faire les choses. Vous n'allez pas vous rappeler des gens dans la rue qui vous regardaient parce que vous avez osé mettre votre tenue un peu plus excentrique, etc. Non, par contre, au contraire, si vous avez vécu pleinement, vous avez eu une vie riche en expérience et un petit moment de plaisir comme ça, vous serez content. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont parler, qui vont dire des choses négatives et tout, mais en fait, on s'en fout. On se rappellera de rien. On sera mort. Mais c'est ça, quand tu seras à la fin. Donc autant en profiter une bonne fois. Voilà, vaut mieux avoir passé une vie bien remplie, heureuse, de moments qui te rendent heureux, qu'une vie à se soucier, à ne rien faire par peur, par crainte et par gêne, et au final regretter d'être passé à côté de tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis je vous représente à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez oser exploser, vous faire plaisir, éclater de bonheur et puis que vous aurez une année remplie de bonnes surprises. Merci pour tous ces coups de ce conseil. Chocolat, tu vas retenir que. À toi, je sais, c'est. Non, Kéo, retenir, j'ai déjà. J'ai lu, retenir en fait le. S'il y avait un conseil que tu devais retenir. Que j'ai déjà commencé depuis le 27 novembre, j'ai fait la liste des 5. Donc j'ai pris de l'avance de 2 mois sur l'année. Et la méditation, j'y suis en ce moment, et la sophrologie aussi. Je suis à ma 3e séance depuis décembre. Et je me sens mieux. Et je pense que ça se voit. Vous verrez au fur et à mesure de l'année. Je pense que la méditation. Pardon, mon frère. Non, c'est une bonne chose. Et puis, tous les conseils que tu as pu donner, effectivement, très bons conseils. Malheureusement, parfois. Nous faisons pas ce qu'on doit faire. Quand on mélange après le conseil et les sentiments et les émotions, on fait après du n'importe quoi. Mais
tout ce que tu viens de dire, c'est tout ce que tout le monde devrait faire tout le temps après. Oui, c'est pas, faut... pas que la bonne année. Voilà, pas que pour la nouvelle année. En plus, c'est, pour tout ce le sont temps. Des choses qu'il faut faire régulièrement. Le tri dans sa maison, c'est quelque chose qu'on peut faire. Bon, je dis pas toutes les semaines parce que c'est quand même chronophage. Exact. Mais il faut le faire régulièrement. Et ça fait du bien aussi régulièrement. Enfin, autant de fois qu'on le fait, autant de fois que ça nous fera du bien. Donc, faut pas s'en priver. De toute façon, l'émission, elle sera en replay. Donc, vous allez prendre toute vos carnets. Notez les conseils. Mettez sur le frigo. Vous allez mettre sur le frigo. Et comme ça, il n'y a pas de raison. Voilà. N'oublie pas. Et on s'y tient toute l'année. Ouais. Ok, bon, toi, merci Aïli, en toi, merci Ozaya. Et nous, on va passer à la troisième partie de l'émission. C'est l'Eva des vieux Nevada. Bon, tu m'entends Donc là, le M, c'est ça. Le M. On va recevoir le M juste après le clip du Nevada. On revient tout de suite après. Quand même, c'est le aim. Big up DJ Skunk. Tu m'entends? C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa et le valet qui fit voler ville évadée qui s'envola. Si l'évadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait qu'on l'évira, il voulait tous le vie. Le divo de la diva qui vit l'évadé sa fallait, mais quand le valet le villa, il se mit là pour l'éviter. Hey! What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting. Ok, on va vite. What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting. Je vais tout péter. What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting, ting. What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting. Ok, on va vite. Vite. Je vais tout péter. Tu m'entends? Ok, on va vite. Vite. Je vais tout péter. Ok, on va vite. Je vais tout péter. Mon cœur va vite. Skunk va tout péter. Tu m'entends? C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa. Et le valet qui vit voler, vit l'évadé qui s'envola, s'envola. Tu m'entends? Je vais tout péter. M qui nous a rejoint tout de la table et on remercie Aïli Ozaya qui nous ont présenté de bons conseils. Vous pouvez regarder le replay samedi à 13h30 et on va mettre un IGTJ avec tous les conseils d'Aïli. On est avec le M, comment vas-tu? Bonsoir, ça va? Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonne année à toi aussi. Ça se passe comment les fêtes? Ben, ça s'est bien passé, hein, au calme. Hein. Et le retour au pays? Ouais, surtout après 2 ans quand même. Ah, c'est chaud. Ça se passe comment? Comment tu retrouves le pays? Ben... Je pense que, enfin, je trouve que les choses ont évolué quand même. Après, comparé à la France, j'ai pris certaines habitudes, elles ne sont pas pareilles ici, mais je profite au calme. Lesquelles? Ben, en fait, déjà, ça va plus vite là-bas quand même. Mmh. Ça va plus vite. Mais sinon, après, j'aime bien quand même le pays. Ah ouais, la Martinique. C'est la base. Quand tu étais en France? À Belfort. Enfin, mon régiment, il est à Belfort parce que je suis à l'armée. Okay, mais sinon, j'habite à Toulouse. Okay. Oui, c'est spin. Le M, alors il y a un buzz sur les réseaux et ensuite il y a une musique. Parle-nous de ton histoire. Il y a un clip qui buzz, qui tourne, il y a des prestations. Parle-nous de l'histoire de le M. Ben, en fait, avant le M, c'est Emric. Bon, en fait, comme je fais partie d'une bande. Les TMT, il y a DJ Amigo, D-Dream, Joe Mix, Alexis Marilus, Randy, Fizz, tout ça.
Et en fait, Alexis et les DJ, ils organisaient des after-work au Trésor à l'époque. Et du coup, ça m'arrivait de prendre le micro et tout. Et puis, on était dans un petit after-work juste avant le carnaval, 2 semaines avant le carnaval. De quelle année, surtout? 2017. D'accord. Ouais, c'était en 2017, février 2017. Donc du coup, ouais, j'ai pris le micro. Bon, j'étais déjà un peu... Avec les liqueurs du pays. Exactement. Ouais. Et puis, bah, du coup, j'ai pris le micro et puis la vidéo avait dépassé quand même 50 000 vues en moins de 24 heures sur Facebook. Donc, du coup, je pense que déjà sans Alexis, je n'aurais pas là en fait, j'aurais pas posé le son et tout. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a dit carrément d'aller au studio. Et c'est carrément lui qui a payé ma séance de studio et tout. D'ailleurs, je le remercie. Et puis, ouais, ça s'est lancé naturellement. Enfin, pour moi, c'était juste un délire. De base, je suis arrivé en France pour l'armée. Avant ça, ben, j'ai pu chanter dans quelques soirées en Martinique pendant le carnaval. Après ça, je suis parti. Le mois d'après, je suis parti en France. Et je crois une semaine après mon arrivée, on m'avait déjà contacté et tout pour chanter dans une boîte à Paris. Et puis après, du coup, voilà quoi. C'était quel son ? Qui t'a fait démarrer? L'évadé du Nevada, mon cœur bat vite. Voilà, mais mon cœur bat vite, ça part de buzz. Exactement. Vas-y, Vincent. Non, mon cœur bat vite. Ça, j'étais en métropole, donc je ne sais pas c'était quoi le buzz. Mais Nevada du Nevada, ça veut dire quelque chose. Je crois que ça sort de Texas, un truc comme ça, non? En fait, c'est un artiste qui s'appelle Sim. Américain. Voilà. Oui. Et en gros. Il avait fait ce son-là et en fait, j'étais sur Internet et tout. Puis je me suis dit, bon, je vais coller ça, ça, je vais mélanger. On est arrivé au studio et puis... Ça a donné ça. Ça a donné ça, ouais. Après, les gens apprécient. C'était un challenge. J'avais lancé notre vocal sur WhatsApp aussi, qui a bien tourné. Quand j'ai vu que les gens, ben, ils ont kiffé, ben, j'ai dit, bon, je vais rajouter ça dans la musique. Comment tu as vécu ce succès-là? Parce que pour toi, la base, ça part d'un délire. Tu pensais pas rencontrer ce succès-là. Aujourd'hui, tu as 4,5 millions... De vues sur YouTube, comment tu vis ça? Ben, je le vis normalement en fait, parce que il y a des gens qui me considèrent comme un artiste. Par exemple, quand j'étais à La Réunion pour tourner mon clip, c'est la première fois que je signais des autographes, quoi. Je me suis dit, mais wesh, ben, ça faisait bizarre, quoi, parce que moi je me trouve normal, je suis pas mieux qu'un autre ou quoi que ce soit, mais ouais, puis ça m'a fait bizarre en fait. Mais sinon, moi, je le vis normalement. Une question. Vas-y, En fait, j'aimerais savoir pourquoi tu as été à La Réunion faire ce clip-là et qui est ton manager? Non. Mais c'est quoi ces questions? Ah ben oui, puisque... Mon manager, je préfère le... Enfin, par rapport au nom, je le laisse dans l'ombre, mais c'était mon voisin, en fait. Et quand je suis arrivé en France, ben, du coup, j'avais pas de manager, en fait. Et... il m'a demandé, ah ouais, combien t'ont demandé, machin. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ce soir-là me parler. Ah ouais, je peux te gérer et tout. Après, je lui ai parlé de ça et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, bon, écoute, on va faire ça comme ça et tout. Après, on a tourné pratiquement toute la France. Hein. J'ai fait beaucoup de boîtes en France quand même, beaucoup de villes. Mm-hmm. Et après, j'ai signé un contrat de licence dans une maison de disques. Et voilà, je suis avec... Et, voilà. Et La Réunion, pourquoi tu m'as pas dit? Ben, La Réunion, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, j'avais 3 prestats là-bas. Je suis arrivé le vendredi, je repartais le dimanche. Ah ouais? Et on a profité pour tourner le clip, parce que ça faisait partie de mon contrat en fait. Ah ouais? Ouais. Donc, du coup, voilà. Et du coup, tu as dit lors de la soirée, tu aimais prendre le micro. Est-ce que tu as toujours eu envie de chanter au fond de toi, ou bien c'est vraiment pour le délire? Puisque après, tu as quand même sorti des sons après. Ouais, c'est vrai. Ben, de base, j'aime bien la musique depuis petit. Et après, je me disais pas, bon, je vais en faire mon métier. Enfin, surtout par rapport à mes parents, ça faisait bizarre. Donc, j'étais plutôt sur les études. Et après, je suis arrivé à l'armée, quoi. Mais non, calme. Comment on fait pour gérer l'armée, en même temps le monde artistique? Comment ça se passe? Ben, en réalité, c'est compliqué parce que... Par exemple, je sais qu'en 2017, je devais chanter par exemple à la Mercury, à Sainte-Lucie. Ils avaient déjà tout payé pour moi et tout. Et, t'as raté et au ça. Final, ben, on m'a dit, tu peux y aller. On m'a donné le fever. Et à la dernière minute, je devais passer un examen militaire. On m'a dit non. Donc voilà, c'était un peu, c'était décevant. Mais bon,
J'ai profité à cette miracle là pour toi. Vas-y. J'ai une question justement par rapport à cette chanson qui a été un succès. Justement, quel est ton rapport par rapport à ce succès-là et que tout le monde connaît la chanson, que ce soit jeune, grande personne, le maman, elle connaît ça. Donc ça veut. Marie, je m'appelle, nous vous chantons live. Justement, comment tu vis ce succès-là? Parce que c'est une chanson qui touche tout le monde. Là où d'autres artistes touchent par exemple que les jeunes, là tu touches les jeunes, les petits, les moyens, les grands. Comment tu vis ça? Ben. Franchement, ça m'a beaucoup étonné en fait. Surtout en France, parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui m'ont identifié et tout. Je voyais à la télé carrément. Je passais dans les reines du shopping. Exactement. Ça m'a fait bizarre quoi en fait. Je me suis dit, mais comment ils font pour écouter ça? Et parfois, je regarde mes relevés, par exemple sur Spotify. Je vois qu'il y a des gens, ils écoutent ça dans des pays, mais je connais même pas en fait. Je me dis que c'est chaud quoi. Après, ça m'a fait plaisir si tout le monde apprécie. Et puis de base, moi c'était pour un délire, hein, tranquille. Non, je voulais vous dire, c'est surtout ça aujourd'hui dans la musique qui fait justement héberger pas mal de jeunes artistes. Mais c'est pas la musique, c'est le public qui choisit. Mais en fait, c'est plutôt l'oreille musicale. On s'ambiance, il y a quelque chose qui nous attire. Par exemple, mon cœur bat vite, tu vois, c'est des choses qui reviennent. Ça identifie un moment, ça peut être un moment à la plage, pour le tout d'ailleurs, et puis ça devient comme un petit buzz. C'est comme ça les musiques aujourd'hui. Ah, c'est pas un petit buzz là, c'est un émerge, buzz. Ça émerge pas mal de jeunes artistes qui, au final, a pu sortir d'autres musiques qui sont pas mal aussi. Vas-y, chocolat. En fait, je vais pas mentir, mais je pense que le public t'aime par rapport à la façon que tu chantes, à la façon que tu... ce que tu dégages quand tu lis, ce que tu dégages, Aymeric. Et mon cœur bat vite, c'est quelque chose qu'on peut répéter à n'importe quel moment, tu vois. Exactement. Par exemple, moi je dis ça souvent, mais par exemple, quand j'ai trop faim, je dis mon cœur bat vite, je vais tout péter. Bien, quand n'importe quel truc, ça peut être la joie, l'énervement. Donc, comment tu veux pas que les gens t'aiment ou continuent à te suivre? On peut pas t'oublier. Mais le secret dans la musique, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est exactement. C'est mettre une phrase qui va se répéter facilement et tout âge, en fait, tu vois. Et puis, c'est pas que la population locale qui écoute ça. Moi, j'habite à Metz. Mais c'est international, hein, et ça. Et voilà, hein, et la population connaît la chanson. Donc, ça veut dire que, malheureusement, en dépit de toi, tu es international parce que tout le monde écoute. Attends, mais ça regarde ta question. Mais tu nous as parlé de ça, mais tu as quand même sorti un son il y a 5 mois environ. Mm-hmm. Le son penché quoi? Est-ce qu'on peut écouter un extrait et ensuite tu vas nous dire? Enfin, on va écouter Vincent, ensuite tu vas nous parler du son. Tu peux écouter le son. Penché quoi? Yo, tell me même si le M and Gig is born there. You don't know, c'est. Chocolat, mon tu l'attends. Penché quoi? Mais regarde, après ça, Allez, c'est bon. C'est bon pour le son. Non, tu es comme ça, tu parles de fesses. Mais pour moi, c'est la même vibe. Ouais. Donc, attends, avant Vincent. Il y a des plans bateaux. Donc. Vincent, tu avais une question. Oui, mais pas dans la musique parce que. Et c'est pas que j'ai pu le suivre un peu au loin par rapport au sport. Donc je pense que t'es un footballeur, ben, si je ne me trompe pas. J'ai fait du football vite fait en Martinique. Ouais. Après, en ce moment, ben, je suis inscrit dans un club en France, à côté de l'armée. Et ouais. Donc en fait, tu touches à tout. Ouais. Sport, musique, ouais, parce l'armée. Que, cause de l'armée. Enfin, pas, je dirais pas à cause, mais par comme rapport. Dans mon métier, en fait, on est amené à faire du sport tous les jours. Donc au final, c'est plus facile pour moi maintenant de faire du football parce qu'en fait on a déjà une condition physique qui est assez élevée, si je peux dire. Mais pars vite en freestyle, lui. Hein, parce ça va, que... tu vas pas t'essouffler, chocolat. Il part vite en freestyle. Je m'appelle que c'est pas que c'est moi qui gère la page Insta de Mika, Biron, qui t'a dit justement qu'elle a commencé avec t'as fait un freestyle direct pour lui avec une musique qu'il a chantée. Là, en direct pour Mika. Et ouais, moi, j'apprécie. Pour moi, un talent, c'est quand tu viens et puis tu sais le reproduire. Tu es spontané, voilà. Exactement. Il a pu le faire, c'est moi qui l'ai avantagé. C'est ta spontanéité qui fait que tu as eu ce buzz-là. Exactement, exactement. Après, c'est chaud, j'ai pas menti. Dans l'une du son, penché quoi? Ben, en fait, j'étais au studio à Paris avec Mike. Et Gugus, celui qui est en featuring avec moi, en fait, c'est un mec de base qui chante pas. Et puis, en fait, j'ai reçu une prod
d'un mec des îles Maurice. Et puis, il a kiffé et tout. Il m'a dit, allons enregistrer ça et tout. Et puis, moi, je fais ça en one shot. Hein. C'est toujours ta spontanéité qui fait que... Enfin, one shot. Quand même pas. Genre, j'ai travaillé vite fait. Après, ça, c'était juste un freestyle, mais... Ouais, là, pour 2021, ça va bien se passer. Ah. Ben voilà, ouais. Mais parle-nous de tes projets futurs, en fait, tes projets pour 2021. À quoi il faut s'attendre avec le M? Ben... Faut s'attendre à tout. Hein. Tu veux pas tout, projet. Tu veux pas nous dire? Ça en fait, comment? Style musical. Ambiance. Mais ça va toucher un peu plus. Et c'est prévu pour quand? Au moins une date? En tout cas, j'espère avant février-mars. Ah, ben c'est proche. Ouais, c'est proche, ouais. Il y a un deuxième son aussi que tu as sorti, c'est Gala Boy Kit. Est-ce qu'on peut écouter le son? Un extrait du son, s'il vous plaît. She wants reading, so paper Johnson, yeah, you can have change. Panny on me, Panny and Selim. Okay, first of all, because he's a dear dream. He said, you gotta rock it, yeah, gotta rock it. Molly wet, she said, girl, I gotta rock it. Gotta rock it, yeah, yeah, gotta rock it. Let me say, you gotta rock it, gotta rock it, gotta rock it, gotta rock it. Allez, c'est bon, est-ce qu'on peut retourner? C'est bon. Chocolat. Oui, Emric, alors justement, tu es venu faire des vacances, mais pourquoi tu n'as pas profité pour faire ces deux clips-là? J'attends, je veux l'impression que le gars en mode retour travail. Retour travail. En fait, le son, c'est bon, il est déjà passé. Ça fait... Alors, parce qu'il est déjà passé, ah tu oui, estimes ah, qu'il ne ah méritait ah pas ah de ah clip. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais tu, là, il va forcément faire un clip quand il y aura un rôle. Ouais, là, cette année, ouais. Comme je vous ai dit, là, ça va bien se passer. Moi, ben, j'ai hâte d'entendre. Mais tu nous fais des promesses, nous, on veut vraiment des choses concrètes. Hein. Pas de bon, problème. En tous les cas, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais dire un big up à la team 4MP. Et puis voilà. Okay, tu passes, tu restes seul avec nous et tu passes, tu vas participer parce qu'on va faire un petit jeu et c'est toi l'arbitre qui va décider. Ah oui, et vous savez bien, okay, il est vous n'avez pas dit. Ah oui. On a parlé de challenge. Et vous savez qu'on aime chanter du Yaourt. Ben là, il n'y aura pas de Yaourt. Et là, c'est le Nevada Challenge. Et c'est le IM qui va... Enfin, le IM. Le M. C'est le M. Regarde chocolat. Regardez la tête de chocolat. Tu vas devoir chanter ça pour nous, comme dans, voilà. Comme dans la chanson. Tu commences. Tu vas devoir choisir qui chante. Qui fait. Je suis à côté de toi. Non, tu lis pas tout de suite. On t'écoute. Numéro le refrain. Non, tu... Ben non, mais... C'est l'évadé du Nevada. On t'écoute. Hey, c'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qui s'évada, qui s'évada. Sur ma vie, la ville qui l'a volé, c'est bien. Je sais plus. C'est trop dur. En plus, c'est bien que je bégaye. Ben, ça à toi. Bon, tu t'arrêtes là. Tu veux pas une deuxième chance? Non. Vincent, à toi. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader. Sur un ville, la ville volé, qui a volé dans une villa. Et la vallée qui fait voler. Sur une vallée qui a volé. C'est trop dur. Attendez, il y a un son. C'est bon. Ah, ok, il faut couper le son. Tania, allez. C'est bon, chaud. Tania, ne me déçois pas, s'il te plaît. Bon, tu m'entends? Oui. Je vais tout payer. Alors, c'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qui dévada pour s'évader. Il a la vallée qui s'est volée. Les vallées du Nevada, c'est les vallées du Nevada, c'est Nevada dans la vallée. Non, non, attendez. Et toi? Attendez, non, on va appeler Ozaya parce qu'on a quand même une ancienne chanteuse. Et on veut voir... Ozaya. On veut voir Ozaya toaster sous les vallées du Nevada. Ah oui. Tu connais au moins l'air, au moins. Au moins l'air. Prends ton micro. Ok. Alors, ne nous déçois pas. C'est ma foi. Que je vais gagner. Alors, c'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader sur un vélo. C'est chaud quand même. Franchement, attends, je la refais. Ouais, vas-y, elle veut pas perdre. Non, mais je trouve que franchement, c'est super chaud. C'est l'évadé du Nevada qui s'avala dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'avaler. C'est trop chaud. Moi, je me suis obligé de vous donner un cours parce que. Alors, vas-y, toi, Cody. Et Ellie aussi, elle est chanteuse. Viens te tester, Ellie. Claudie, tu t'es entraînée. En fait, Claudie s'entraîne. C'est chaud, il a fait chez lui. Allez, on veut t'écouter. Tu fais pas à toi, non? Ou j'en fais un dernier. Ah, obligé. Alors, attends. On peut le dire même juste... Oh, on te triche, nous, on n'a pas triché.
C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader. Sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa. Et le valet qui fut volé, ville évadée qui s'envola. Si l'évadé du Nevada s'est dévalé dans la vallée. Ça c'est pas ça qu'on libère. Bon, par contre, il faut un petit peu de souffle quand même. Bravo, Ali. Non, moi. Claude, Manu. Là, vous m'avez fait rire, donc du coup, j'ai plus de souffle. Alors, c'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader. Sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une vallée. Et le valet qui fut volé, ville évadé qui s'est envolé. Si l'évadé du Nevada qui s'est évadé dans la vallée, ce qu'il pense, c'est qu'on l'y verra. Il voulait vous se lever le divan de la diva qui... On a l'expert avec nous, tu nous montres comment non, tu non, fais. Non, mais Aïm, il faut que tu dises. Le aim. Le aim. Oh là là, le aim. Mais c'est toi qui m'as mis choisi, Aïm. Je suis obligé de rajouter la photo sur toi. Le aim, excuse-moi. Donc, si tu avais jugé, qui a quand même bien tenu? Aïm. Alors, c'est quoi le... Vince aussi, il a jugé quand même. C'est bon, tu sais, mais il fait du souffle. C'est quoi le secret pour pouvoir respirer? Ouais, parce que tu n'es pas chanteur, comme tu as dit, tu as fait ça comme ça, donc tu as triché. Non. Ah ben c'est quoi? Je sais pas, moi j'ai lu ça, j'ai fait ça one shot direct. J'ai envoyé l'audio directement. Alors nous on veut entendre parce que... La prévention. Le maître. Ah oui, attends, je ne peux pas monter. On t'écoute. Ben c'est quand tu veux. C'est quand tu veux, tu okay. Lâches tout. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader. Sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa. Et le valet qui fut volé, ville évadée qui s'envola. Si l'évadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait qu'on l'y verra. Il voulait pour se lever. Le diva de la diva qui vit l'évadé sa vallée. Mais quand le valet le villa, il se met là pour l'éviter. Hey! What a ting, what a ting, ting, ting. What a ting, ting, ting. Bon, qui a ma vite. Tu nous as parlé de projet pour 2021, donc du coup, même pas une exclue pour Zayconic, tout est secret. Regarde, non, j'ai tout essayé. Le M, c'est vrai, on a vu des chiffres sur Spotify, tu as réagi sur ton Insta. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as vu les chiffres? Ah ouais, là, j'étais content. J'étais content parce qu'il y a des gars qui sortent des sons, par exemple, durant toute l'année, par exemple. Et ça me fait plaisir, surtout de base, moi je me considère pas comme un artiste, donc du coup ça me fait plaisir d'être écouté. Et voilà quoi. T'es un ambianceur, t'es pas un artiste. Voilà, c'est ça. Mais justement, t'as gagné combien de centimes d'euros? Parce que c'est on veut tout savoir. On veut tout savoir. Un chiffre, rond. Beaucoup. Beaucoup de centimes ou beaucoup d'euros? Euros quand même. Bon, mais écoute. Et parle-nous, parce que tu fais partie du TMT, parle-nous des TMT, ta relation avec les TMT. C'est mes potes. Hein. C'est quoi les TMT? Parce que c'est où on entend, on voit TMT, qu'il y a des DJs. On les a déjà reçus. On les a déjà reçus, mais toi, c'est vrai. C'est... En plus, si t'avais Big Up, il me semble, dans le temps. C'est les TMT, c'est tu m'entends, en fait. C'est de l'accession, en fait. Et voilà, quoi. C'est la petite bonne. Hein. Il y a un peu de tout. Il y a infographiste, Fizz. Il y a Alexis Marilus et Randy, ils sont champions de Supermotor. Il y avait DJ Joe Mix, malheureusement. Il était DJ. Et il y a D-Dream et Amigo, le duo. Ah ouais, super. Duo de choc. Voilà, le duo de choc. Question. Alors en fait, pour les jeunes qui te suivent et qui nous regardent, en fait, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es pas dit, bon, mais comme ce sont la marge, comme je gagne des sous, je me fais de l'argent, je fais le tour du monde. J'essaie de rester dans ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as préféré t'engager à l'armée? De base, j'avais déjà signé à l'armée, en fait. C'est vrai? Oui, avant le carnaval, je savais que je serais parti à l'armée. Et en fait, je peux partir grâce à ça, mais je me dis qu'en fait, c'est comme la musique. En fait, c'est éphémère? C'est éphémère. Pour moi, c'est juste du buzz, en fait. Donc aujourd'hui, tout va bien. Demain, il y a plein d'artistes comme ça, on les voit là. Et puis, par exemple, demain matin, bon, t'entends plus parler du gay. Et puis, au final, je me dis que j'ai pas encore le niveau pour me dire, bon, vas-y, j'ai acclamé, je vais vivre de la musique, quoi. OK. Donc voilà. Mais justement, pour rebondir sur la question de chocolat, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut s'engager à l'armée? Parce qu'effectivement, c'est quand même un engagement qui est sérieux, qui est quand même assez important. Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune-là aujourd'hui?
Mais franchement, l'armée, c'est chaud. Ah ouais. L'armée. Mais est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est une expérience. C'est une expérience. Après, faut se dire que, en gros, on n'a pas la même vie que dans le civil, par exemple, comme vous. Par exemple, dès que l'émission est finie, par exemple, ben, vous allez rentrer chez vous tranquille. Sauf que moi, par exemple, comme j'habite à Toulouse, mon régiment il est à Belfort, c'est dans l'est. Toulouse, c'est dans le sud, ouest. Donc, en gros, je rentre chez moi que le week-end et parfois on ne peut pas tout le temps sortir. Parfois, il y a Vigipirate. Je suis, par exemple, à Paris pendant 2 mois, je ne rentre pas chez moi. C'est compliqué, quoi. En fait, je suis quand même fière de toi parce que tu t'es engagé à 21 ans. Et c'est déjà pas mal. C'est pas tous les jeunes. C'est pas tous les jeunes de 21 ans qui vont dire, allez, c'est bon. Parce que tu peux faire ton service militaire, ça c'est autre chose, mais là tu t'es engagé. Ouais, donc on peut t'appeler pour te dire, bon, il faut que tu partes en Afrique 2 mois, des trucs comme ça. Donc c'est ça. Si tu restes, c'est que même si c'est dur, c'est que tu aimes. Ouais, donc sois fier de toi. Enfin, mais bien sûr. Il y a des contraintes, mais il y a des avantages. Est-ce que tes potes militaires sont au courant que tu es chanteur? Oui, ils sont au courant. Okay. Oui, ils sont au courant. À chaque fois, ils sont tout le temps là en train de me chambrer. Voilà. Mais le M, il y a des questions tac ou tac. Donc, il faut que tu me répondes ce qui te vient en tête. Ah. Sans réfléchir. Okay. Alors, si tu es un animal. Un chat. L'objet que tu ramènes sur une île déserte. Un couteau. Ta première qualité. Je suis cool. Ton plat préféré. L'ambi. Ange ou démon. Ange. Le pays de tes rêves. États-Unis. BMW ou Clio? Ah, BMW. Plage ou rivière? Plage. Mocassin ou basket? Basket. Ton dimanche chez maison famille ou hop avec les amis à la plage? Ça dépend. Ton dessin animé préféré? Bob l'éponge. Ton pire défaut? J'ai pas de patience. Lors de l'apéro, tu es celui qui? Qui fait rigoler tout le monde. Le premier mot qui te vient à la tête? Amour. Dans la vie, tu es Tuglove ou cœur d'artichaut? C'est un peu... C'est un peu complexe. Cœur d'artichaut, il faut assumer. C'est cœur d'artichaut, il faut assumer. Alors, que disent tes amis de toi? Ils sont fiers. La personne célèbre qui te donne chaud. Chaud dans quel sens? Chaud qui te donne chaud pour la vie. Ah ouais, c'est elle est belle, voilà. Ah, vous parlez de meuf? Mais oui, bien sûr. Bah oui. Ah, je sais pas. Beyoncé. Beyoncé, rien d'autre, comme ça. Alors, si tu devais choisir un seul réseau social? Instagram. La chose qu'il ne faut surtout pas faire, ou M? La trahison. Ok. Et ta phrase ou dicton fétiche? Tu m'entends? Tu m'entends? Et puis termine un mot pour Zaïkonik? Ben, ouais, un gros big up à toute l'équipe. Merci. Chocolat, merci. Hein. De rien, mais... Au calme, et puis ça fait plaisir d'être passé sur le plateau, tranquille. En plus, j'habite pas loin. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Puis on espère retrouver tes projets assez rapidement. Tu nous as dit février-mars, on reste connecté, oui, on attend sur toi. Ah oui. Et on espère voir des clips, des sons bouger. On espère que la vie va reprendre, les soirées vont reprendre, les back it up, tout bagaille, la vie. Si donc voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Militaire. Ta carrière professionnelle, personnelle? Ah, mais du courage, hein. Réussite, courage. Ouais, du courage, ah, ben, plutôt du courage. C'est tout ce qu'on te souhaite. Bon, en tous les cas, nous, on va se quitter, l'émission est terminée. Est-ce que tu veux appeler tes spectateurs, est-ce qu'on peut te suivre? Ben, vous pouvez me suivre sur Instagram, hein, le m.tmt, L-E-Y-M.tmt. Non, mais voilà. Et play parce le si M, parce que le M, c'est pas le M comme on voit. Du coup... L-E-A-Y-M.T-M-T. Ok, d'accord. Donc, ben, Chocolat, aimé, ça la fera passer avant de partir? Non, mais tout simplement. Oui, vas-y. Et puis, un big up à Osiloa. Ok. Ok. Vicente. C'est mignon, la vie, tu vois. C'est génial. Vas-y. Non, moi, petit bisou à ma maman. Oh. Un bisou. Marie-Jo, joyeux anniversaire, Marie-Jo. Je viens puis... passer boire le champagne. Moi, parle de gâteau. Je peux dire quelque chose, oui? Oui, vas-y. Bien sûr. Mais je pars bientôt. Et surtout, c'est ta dernière avec vous. Ah oui, c'est ma dernière avec vous. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite pour l'année 2021 à tous et à toutes. Et puis moi, me retrouvez moi sur la page de Zayactu tous les jeudis. Donc, demain, je reprends mes petites interviews
à partir de 16h pour la Martinique, Guadeloupe, Guyane et 21h pour la métropole Hexagone. Voilà. Voilà. Et puis gros bisous à tout le monde et puis à très vite. Ok. Toi, merci. Et aux prochaines vacances, t'as mis. Prochaines vacances, avec plaisir. Donc voilà, nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Restez connectés, le replay samedi à 13h30. Et sans oublier, les gars, parce que je sens que je vais partir avec le jus citron, J créole. Il n'y a pas mieux. J créole à Ducos. À Ducos, pardon. Il y a nos téléphones sur les réseaux sociaux. Tapez J créole, vous aurez toutes les informations. Et on remercie aussi Anclou, chocolat. Il n'y a pas d'M&M's aujourd'hui. Exactement. Non, ah non, c'est les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions. On va pas commencer avec du sucre. Voilà. Et on remercie, n'hésitez pas à suivre Zayactu sur les réseaux sociaux. 24h sur 24. Mmh. L'application aussi que vous pouvez télécharger, l'application mobile qui est disponible Android, Play Store et j'en passe. Donc voilà, donc ça donne rendez-vous prochain. Merci l'équipe, on a passé une très bonne émission. Merci le M d'avoir accepté l'invitation. On remercie Ray de Iwana Sera, c'est ça. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Non, ça donne rendez-vous mercredi. Merci. We'll be right back.